Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour répondre à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 raisons pour lesquelles il vaut mieux acheter un Sportster qu'un Softail. Et aujourd'hui, je suis accompagné. Bon, avant, on va faire un petit tour à la concession. Faut que je m'achète une nouvelle paire de gants. Mes gants d'été que j'ai quasiment pas lâché de tout l'hiver, en fait. Je suis plus à l'aise avec, mais vous avez dû remarquer, j'arrête pas de remettre les scratchs en permanence. Ils sont usés, je crois qu'ils en peuvent plus. Waouh, ça c'est de la Fiat 500. Bonjour. C'est vraiment superbe ici, et encore là, la vigne est complètement nue, mais quand il y a les feuilles et tout, c'est splendide, on y reviendra ici plus tard. Alors, bon c'est parti, je vais quand même vous donner mes 4 raisons d'acheter un Sportster plutôt qu'un Softail. Je précise bien. Ce sont mes 4 raisons. Une nouvelle fois, ça n'engage que moi. Chacun se fera son idée maintenant, voilà. Moi, j'ai mes 4 raisons à moi. Si elles peuvent vous servir, à vous décider d'un côté comme de l'autre, eh bien, tant mieux. La première raison, qui va être évidente, c'est le prix. Effectivement, quand on achète une moto, on a un budget maximum. Quand on attaque la gamme des Softail, on est dans un budget forcément plus important que sur la gamme des Sportster. En sachant que évidemment, je sais ce que vous allez me dire, il n'y a plus de Sportster au catalogue de Harley-Davidson. Eh oui, mais bon, il en reste quand même d'occasion. La preuve, je vous en ai dégoté une là sur le site. Et bah, ma foi, elle ressemble étrangement à mon XL, à mon 1200 XL que j'avais avant. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Après, évidemment, il y en a plein d'autres. J'aurais pu partir sur un 48 parce que le 48 est quand même un modèle qui est hyper tendance et qui a la cote en ce moment, mais je suis parti sur le 1200 XL CA puisque c'est un modèle que moi-même j'avais, et donc j'ai trouvé ce 1200 XL à 10 990 € d'occasion, sachant que à l'époque ouais, sur les modèles 2019-2020 il devait être dans les 12 000 €, quelque chose comme ça, voilà. Pour un Softail standard, aujourd'hui, il faut compter 14 790 €. Donc c'est quand même un budget supérieur. Si en plus vous voulez ajouter quelques accessoires, voilà, faut penser à ça aussi. Donc le prix, évidemment, va en faveur du Sportster parce qu'il est moins cher et donc plus accessible. Deuxième chose, eh bien, je dirais le réservoir. Le réservoir va également en faveur du Sportster, en tout cas du 1200 XL. On est bien d'accord, je ne parle pas du 48. Le 1200 XL, un réservoir de 17 litres, alors que j'ai sur mon Softail standard 13 litres 2 exactement. Bah, la différence fait que évidemment on peut faire plus de bornes, on s'arrête moins souvent à la pompe et c'est pas plus désagréable. Alors tant qu'on parle du réservoir également, sur le réservoir de mon custom d'origine j'avais un bouchon avec une serrure. C'est dommage, il n'y a plus sur les modèles récents, ils mettent des bouchons standards sans serrure. Bon bah c'est un peu dommage, alors c'est pas que j'ai peur qu'on me siphonne, on sait jamais quoi. Ah, les gens ils sont carrément sur les îles quoi. Je sais pas si on peut y aller dans cette rue là. Il y a des maisons avec des... Ouais t'as raison ouais. Salut les gars, bon on va essayer de passer dans la rue là-haut. On va tourner là, je vais essayer. Moi madame demande, j'accède hein, parce que sinon j'ai pas envie de passer une sale soirée hein. Et une motarde. Ouais. Non, là, c'en est pas une. Là-bas ? Là, ici, là. Ici ? On va voir, on va monter, on va voir. Je connais pas par là, donc... Ouais. Et je crois pas, ça emmène derrière le coteau, ça. Qu'est-ce qu'ils mettent, là ? Ah, peut-être faire des trucs. Alors, est-ce que ça serait pas par là? Ouais, peut-être là. Allez, on va essayer par là. Chemin. C'est un chemin. Hein. Bon, 3 tonnes 5, on est limite. Hein. Ah ouais, c'est peut-être bien par là. Donc là, on part à l'aventure. Ça a l'air magnifique, là, dans le coin. Par contre, là, on a un beau sens interdit magnifique. Merde. Je crois que je suis obligé de faire demi-tour là. Tu te rends compte que tu me fais manœuvrer 300 kilos? Plus que ça parce que... Mademoiselle, elle fait pareil. Ah, putain! Je vais essayer de passer par là parce que j'ai vu une rue. On va retourner par là. Tu sais, le sens interdit, sauf des certes locales, sauf riverains, tu vois, c'est là. Ouais, mais bon. Bah ouais, non, ça craint. Yes, ça c'est beau ça. Alors ma troisième raison d'acheter un Sportster plutôt qu'un Softail, en tout cas pour le 1200 XL CA, ça serait le look. Même si je sais, je vous ai dit que le look du Softail standard, je l'adore et c'est une moto qui est magnifique. Dans un style différent, avec son look un peu plus racing, on va dire. Les commandes middle, le drag bar, la peinture perso avec les bandes noires et tout ça, je trouve ça vraiment magnifique. Le mien était orange. Je peux comprendre qu'on puisse préférer donc la ligne du Sportster à la ligne du Softail. D'autant que le Softail standard est quand même un engin épuré qui a été plutôt créé pour la personnalisation, la customisation. Donc forcément, il n'y a pas grand chose dessus. On va essayer de grimper là-haut. Après ce petit interlude face à la Loire, j'en étais où déjà? J'en étais au look. Donc ouais, le look un peu racing de la moto, c'est super sympa. La position de conduite avec les commandes middle, le drag bar, c'est plutôt cool aussi. Moi j'aimais bien, même si c'est une position un peu plus roadster que ce qu'on a l'habitude d'avoir comme position sur une Harley. C'est quand même sympa quoi. On va passer au quatrième point. Pour moi, le quatrième point, c'est le caractère. Je trouve personnellement que le moteur du Sportster a un caractère de fou, quoi. On a vraiment ce coup de godasse quand on tourne la poignée, même si il est un peu moins puissant. Je trouve que c'est un moteur qu'il faut dompter avec les moteurs Milwaukee 8 maintenant, qui sont des super moteurs aussi, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je trouve que ce sont des moteurs qui sont plus linéaires. Je trouve qu'il y a plus de caractère sur un Sportster. Voilà, vous avez les 4 raisons pour lesquelles il vaut mieux acheter un Sportster qu'un Softail. En tout cas, mes 4 raisons. Allez, je vais vous en donner une petite cinquième en bonus. Franchement, écoutez-moi ça. C'est quoi ce klaxon de merde? Non mais sur mon Sportster, j'avais un klaxon de camion quoi. Un vrai klaxon, dingue de ce nom, quoi. Là, j'ai quand même un petit klaxon de rien du tout, là. Hein. Bon, après, comme on a pu le voir sur la vidéo de la semaine dernière, pour pallier à ça, il faut installer un stage 1 avec des pots MCJ. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Allez voir cette vidéo, vous verrez qu'une fois que vous avez installé le stage 1, il n'y a plus besoin de klaxon du tout. N'en déplaise à tous ceux qui me diront « Ouais, les Harley, ça fait trop de bruit, c'est inadmissible, ça emmerde tout le monde. » Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ah, je vais le laisser passer, allez-y. Eh ben ça freine bien les Harley, hein, même à deux. Hein. Ça va, je t'ai pas trop tassé? Non, non, ça va. Donc je disais, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous n'êtes pas obligé d'enclencher les notifications pour avoir toutes les vidéos. Vous pouvez aussi décider de vous abonner à ma chaîne uniquement pour me soutenir, par exemple. Et puis si vraiment toutes mes vidéos vous intéressent, vous enclenchez la petite cloche, vous commentez, vous partagez. Et de cette manière, vous contribuez à m'encourager à continuer et à développer cette chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve bientôt. Allez, ciao!